Mission 7. Le choc des puissances débouchera sur un conflit. Je lis plus le reste, c'est fini. Alors les amis, on a totalement changé de décor. Ok, donc ça c'est rien. Ne vous inquiétez pas, j'essaie d'interagir avec le décor. Je sais pas ce qu'il attend. Il y en a combien comme ça là? Parce que s'il faut continuer pour que ça s'arrête, faut me le dire parce que je vais pas passer ma soirée sur un stage à tuer des démons quoi, c'est bon. Regarde, ça s'arrête. Au bout d'un moment, ça va bien s'arrêter quand même, non? En plus, à chaque fois, ils partent super loin, donc... Donc pour ramasser les orbes rouges... Voilà.
c'est quoi ça, tous les coups c'est un oiseau encore là. Que c'est que cette saloperie? J'ai nulle idée si je suis dans la bonne direction parce que... On peut pas aller plus vite là ? D'accord. Ah, a priori. Ah oui, je peux comprendre. Comment on fait pour voler déjà avec ce truc là?
Ah oui, d'accord, ok. De comprendre. La Flame Heart, la pierre magique avec un féroce démon enflammé. Donc là on est vraiment sur l'attaque de feu. Je suppose que si on va voir dans les équipements. Voilà. Elle est soit sur une amulette de feu ou de foudre. Elle a soit on court vite, soit on se déplace vite, soit on vole. Pardon. Et là, a priori, c'est par là qu'on va. Juste un truc qui est dommage, c'est que même si j'aime beaucoup la musique de combat, je la trouve attentinée et répétitive. Ah, ils auraient pu alterner avec d'autres riffs de guitare. Plutôt que de faire toujours la bande son en boucle. Moi des fois si la musique m'énerve, je suis capable de... d'arrêter le combat et de poursuivre en fait l'aventure juste pour arrêter d'entendre la musique. Encore un pouvoir. L'offense Earth, pierre magique avec le cœur d'un vigoureux dieu du combat. D'accord, et là on est sur un nouveau type de d'équipement, d'amulette. Là comme on voit, ça a complété l'un des trois segments justement de notre amulette. Donc là on peut voler l'âme et augmente la puissance de votre attaque. Là c'est un petit bonus a priori.
Alors. Et en plus, épée décorative qui ressemble à la faux de la mort. Et ça, ça s'équipe, ça? On va l'essayer. Bon, je crois qu'on a fait le tour de cette pièce. Elle ne serait peut-être pas à moitié secrète. Nous voilà dans le hall d'une plateforme élévatrice. Et c'est parti. Que va-t-il se passer, chers amis ? Bon, on va arriver à la fin de la mission normalement. Allez, vidéo. Ah oui, vraiment petit. Hein. On avait le temps. J'aurais dû prendre le temps. Voilà.
une orbe bleue bien cachée dans le plafond. Et voilà, sur cette mystérieuse image, c'est là que notre stream s'arrête. Merci à tous d'avoir été là, mission clear. 1000 de rang, 16 minutes, 1845 orbes, toujours en S pour les items. Et voilà, on tape la sauvegarde et on y va les amis. Donc comme d'habitude, YouTube pour retrouver les précédentes et les futures vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, ça aide et ça fait plaisir. Pareil Twitch. Pour suivre la suite des lives en projet, et ben n'hésitez pas à follow et puis à me retrouver en direct pour la suite des aventures de Devil May Cry 2 et pour le prochain jeu, je sais pas, peut-être j'ai dit Onimusha, sinon j'enchaîne avec Devil May Cry 3, je sais pas, voilà. Et puis pour le reste, Instagram, actu, jeux vidéo, musique et des vidéos, des covers et des compos. Piano et guitare, voilà. Merci à tous d'avoir été là. Ciao, ciao. Passez un bon vendredi, sans doute à demain matin. Et puis, sinon, à très bientôt. Allez, ciao.